Et bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Extermination Déserte. 15e mission en coop sur Icarus avec Lodos et Krios qui sont déjà connectés. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Alors que je commence déjà à friser. Ouais, c'est pas le seul. Ah mais c'était la tempête. Non, ça continue un peu. Et salut David. Et donc salut. On attend un capot qui devrait pas tarder normalement. Le capot sauvage apparaît toujours de manière impromptue. Et alors on s'était dit en off que ça serait bien de refaire. Ouh ça. Sérieux, ça frisouille un peu beaucoup ce soir. Ah bon? Bizarrement, moi je frisouille pas. Moi je viens d'avoir un lag de famille. Bah, tout roule pour l'instant, donc espérons que ça dure. Bah, mais on n'est pas en voiture. Comment on va faire? Ah oui, j'étais bien plein moi. Oh la vache. On va s'en faire deux comme ça. J'ai pas assez de clous, j'aurais dû faire plus de clous. Au diable l'avarice, on a de quoi faire des clous. Quoi c'est... D'accord. Tu l'as dit. Ok. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne me trompe pas. 2. Et j'ai pas assez de quoi, de clous. Moi j'en aurai assez. 2. Je vais reposer ça, ça et ça. Je vais récupérer ça. Ça. Oh, trop lourd. Ce sera pour capot. Ce sera pour capot dès qu'il arrive. En attendant, il nous faut des os pour faire des flèches. Ouais, pareil, moi aussi il faut que je fasse des os pour faire mes flèches. Ouais, il y a un paquet de sang RU. Top. Hop, pas bouger. Désolé, moi, un cryo, je vais le faire moi-même, vu que mes flèches sont boostées. Oh, t'inquiète. Tiens. Merci. Par contre, si t'as des os en rab, je crache pas dessus. Hein. J'en ai pas un. Bon, on va en refaire. Je vais essayer de chasser un petit peu, quand même, pour m'en faire quelques-uns. Mais j'aimerais qu'il n'y ait plus de bestioles par ici. Là, je viens de faire un grand cerf. Qui était dans sa maison et qui regardait par la fenêtre un lapin venir à lui. Alors que je me remets la bonne vue. J'ai 23 os. On va aller loin. J'en ai 21 donc. J'en ai pas beaucoup plus. Je viens de perdre deux flèches. Il y a un renounours pas très loin de la maison. Ah non, les ours, je les fais plus. Si je me chope encore un lag en plein milieu, c'est pas bête. Non, mais. Mais c'est vous. J'ai perdu plus de flèches que j'en ai fait. Mais. Bah ben voilà, il est mort le nounours. Il m'a même pas touché. Bah, impeccable. Moi j'ai perdu 7 flèches. Ouais, par contre il m'a bouffé 4 flèches, ton vilain garçon. Normalement il donne des os lui. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. Ouh, mais je lag. Comment ça se fait que je lag comme ça? Qu'est-ce qui fait que je lag?
BS, pourquoi tu lagues? Okay. Ah oui, il m'a donné pas mal de danos. C'est bien ça. Pourquoi lag-je? C'est un problème de température. Je viens de voir comment David avait écrit mon pseudo. Aïe, mes yeux. Ah, punaise. Ah oui, c'est pas les bonnes lettres. Mais c'est pas grave. Ah, mais le son était là. Ouais, le son il est là, mais c'est les pires lettres possibles. C'est K-H-R-Y. Un K-R-Y-H. Mais je les ai pas mis dans le bon ordre en plus. Pourquoi tu as chaud? Qu'est-ce qui a chaud? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que mon GPU a chaud? Non, mon GPU n'a pas chaud. Je t'ai entendu, le loulou. Où tu te caches? Est-ce que j'ai des trucs? Je veux tes nanos. Lancer qui doivent pomper de la ressource. Ah d'accord, il y a un cerf qui fait du toboggan sur la montagne. Du toboggan? Ouais, il monte le long de la falaise, il glisse, il redescend tout en bas, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend, c'est rigolo. Vraiment. C'est pas le propre des cerfs de faire du toboggan habituellement? Ben non. En attendant Capot, je vais reboire un coup, comme ça je remplis ma gourde. Ah bah ça tombe bien, j'ai chopé une infection. C'est, ça vous arrive parfois où la killcam a dure super longtemps? Oui, des fois... Des fois elle se fait pas. Ah bon, quand elle se fait pas encore, c'est pas grave, mais là... Elle voulait pas lâcher le loup, c'était horrible. Enfin. Ah bah voilà. C'est comme ça qu'on veut faire les animaux. One shot. D'habitude les cerfs ils volent. Et salut XK. Et salut XK. Le Bambi qui me regarde. Je suis là en train de dépecer sa mère, il me regarde. Bon bah tant pis hein Bambi. Tu es mort aussi. Tu es mort pour 4 os. Ah, il y a un bison. Ça fait des os. Ouh, one shot le bison. Là c'est 42 flèches. Le buffle. C'est pas mal. J'ai 96 os. Donc de quoi refaire des flèches si nécessaire. Le chamois perdu dans les blés. Ah oui, je fais le braconnier là. En même temps, il n'y a pas d'espèce protégée sur Icarus. Voilà, 122 nanos. Ouais, tu l'as vu mon cerf? Merci, ah tu bah. Me l'as achevé. Attends, je veux récupérer ma flèche avant. Mais moi aussi, je veux récupérer ma flèche. Ah, c'est pas ma flèche, ça. Il y a une flèche qui est là, avec Inventory Full. Par terre, à côté du bois, il y a une flèche. Tu la vois? Ouais. C'était la tienne. Bah, si tu veux le dépecer, je te le laisse. Ouais, je veux bien. Capo, où es-tu? Qu'as-tu, Wepo? Ok, j'ai toujours des petits lags. Et...
J'ai tué Chrome, ça va peut-être aider. Parce que du coup, il me reste les murs, les angles et le toit à prendre. Ok. Est-ce que je peux faire un pansement en plus ? Ouais. Ça, je libère une place. Oh, j'ai deux cailloux. J'ai pas besoin de cailloux. Pourquoi j'ai une brindille qui traîne? Il y aura besoin de se faire des lits ou pas? Ça serait peut-être pas plus mal. Quoique, on verra. On verra. Il y aurait besoin que Capo arrive. Déjà. Je pense qu'il y aura besoin de se faire des lits, ouais. Oh, j'ai 38 fourrures. J'en ai 42. Il en faut 20 pour un lit. Donc ouais, on doit avoir de quoi faire... Non, on a de quoi en faire 4 avec nous deux. Déjà. Quasi, ouais. À pile. Ou 38 totalement. Plus 42, ça va faire 80. À 38, ok. On attend donc le capot sauvage. Après, on peut aussi commencer le trajet et il nous rejoint. Ah, poupoum. J'ai entendu poupoum sur Discord. C'est peut-être lui qui répond. Je regarde. Je suis là dans 5 minutes. Ah, d'accord. Loulou, loulou. J'ai entendu Queenie. Oui. Bah du coup ça va XK. S'il est là dans 5 minutes, on va pas le. On l'a déjà ouais, mentionné. J'ai déjà fait. Ou toi, ça va mettre dans sa mère à cuire, ça? Mettre dans sa mère à cuire. Ça le dit pas. Ça va en faire un, mais pas l'autre. Ouais. Un mais pas l'autre. Il y a du bois posé en vrac. Ah non, c'est le... Ok. Je comprenais pas. Ouh, le cerf m'a fait peur. Il est passé juste devant la fenêtre. Tout va bien, c'est qu'un cerf. Oui. Bon, j'ai 55 flèches, ça devrait être bon. Oh, il y a encore un nounours là-bas. Allez, chasse un nounours. Il m'a vu. Oups.
Bon bah c'était maîtrisé cette histoire de nounours. Ah oh, bah comme d'hab. Ah bah depuis que j'ai... qu'on a... enfin... depuis la fois où j'avais appris à les... dompter, finalement vous avez tous réussi à... Oh ouais, le pattern il est super facile hein. Une fois que tu l'as pigé quoi. Une fois que tu te fais pas avoir, peur devant lui. Non. Oh bah t'as juste un petit décalage sur la gauche à faire en avançant et c'est bon. Hein. Oui, oui. Ou la gauche ou la droite quoi. Non mais t'as vite fait te... t'as vite fait de te faire avoir et... Oui, te mettre un petit peu en panique et... et de courir devant lui. Si tu cours devant lui, c'est fini. Ouais, c'est ça. Faut juste prendre son temps, reculer un petit peu le temps qu'il fasse son demi-tour, viser la tête et bam. Et c'est tranquille. Ouais. Bon, 63 flèches. Et pas mal. Ah. Et coucou. Et coucou Capo. Bonjour tout le monde. On t'attendait pour partir. Je suis en connecting. D'accord. Okay. Quand tu seras là, tu seras chargé de prendre dans la maçonnerie bench ce qui est en bas à droite, c'est-à-dire des murs en pierre, des angles de murs et des toits en pierre. Pour le reste, on a sur nous. Bon, après, sauf si tu as des potions à prendre, peut-être. Il y a plein de potions à prendre. C'était un bug qui a été patché pour le fait de rejoindre une session. Ah, d'accord. Donc t'as bien fait, on a bien fait de faire comme ça hier, de pas s'acharner. Mais ouais, c'était bugué. Ouais, ça va, ça a été plutôt réactif. Ah bah ouais, généralement ils sont quand même très réactifs. Mmh. Oh, ils ont une bonne équipe hein, qui travaille derrière, apparemment. Ça... je t'ai senti quelque chose qui va pas. Hein. Ah oui. Ouais, je suis en préparing géométrie théorème de Thalès. Moi j'ai juste les deux sols. Je suis là, alors tu me disais. Dans la maçonnerie bench, tu as tout ce qui est en bas à droite. Stone wall, les murs, les angles et les pentes de toit. Et puis il faut que tu prennes dans la machining bench ton fusil et tes balles. Et il y a quelqu'un qui a pas pris son fusil et ses balles. Je peux juste scanner les trucs qui est en bois, je les laisse. Oh ouais, juste la pierre qui est en bas à droite, les trois en bas à droite. Et fusil et balles. Oui. Et Krios aussi, fusil et balles. Et super. Et on peut se mettre en route. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Ah, faut que juste que je fasse un petit coup de repairing sur mon arc. Donc je l'ai un peu entamé. Ah, c'est pas fou. Je vais faire pareil. Ouais, réparons nos arcs. Et... remplissez vos fusils à pompe si c'est pas fait. Normalement c'est fait déjà depuis hier. Moi c'était pas fait mais ouais je fais. Le chargement est assez long donc pour mieux le faire avant. Manger un coup de bacon sur le bacon avant de partir. Ouais, remplissez-vous et puis après je fournirai. D'accord, on va peut-être pas partir maintenant aussi. Ah oh, si, on évite dans la... on évite dans la forêt quand même. On évite dans tu la... tu prends toutes les viandes là, Oh, j'ai tout, ça y est, j'ai déjà toutes les viandes sur moi. Il y en avait encore hein, dans les trucs. Ouais, mais ouais, je suis plein mais... de toute manière, je peux pas prendre plus. D'accord. Si tu veux prendre Capo, prends, mais... Oui, c'est oui, pas... hein, mais... manière, une fois qu'on aura installé la maison, j'aurai plus de place, donc je pourrais... Pour info, je suis parti, hein. T'es parti? Okay, ouais. Nous on attendait devant la maison que tu donnes le top départ. Bah top départ. Vous attendiez? Top départ. Vers le sud. Vers le rouge. Tranche. Ah d'accord. Oula. Là par contre dans la tempête je frisette un petit peu.
Ah ça va, ça commence à peine à monter là, l'exposure. Bon, il y a une belle zone rouge qui arrive un peu bientôt là, donc... Ouais, il faudrait faire attention aux arbres qui tombent sur rouge, je pense. Ou aux nounours éventuellement, mais... Ah, c'était une tempête à quoi? C'était pas une tempête... J'ai pas vu sa puissance. J'avoue, la zone rouge, elle m'a piqué un peu. Enfin, on est déjà à plus de 50%, donc... Ouais. Bon, personnellement, je suis dans la petite vallée. Krias, faut que t'ailles... faut que tous que vous alliez plus au... Sud-est. Ouais, par là. Par la vallée, là, d'accord. Où ça va piquer? Oula. Où ça pique? Aïe. Ouh, l'arbre m'a frôlé. Oh, j'y vois rien. Ouais, je prends des dégâts. Hein. Ouais, on prend des dégâts. C'est presque fini le rouge. Attention, ça. Ça passe pas. Ah, si, c'est bon, ça bouge pas, bouge pas. C'est bon, Krios, bouge pas. Le rouge est fini. On est presque au bout. Ouais, on s'est fait un trou dans un rocher parce qu'on prend des gros dégâts. Hein. Moi je prends quelques dégâts mais ça va. Oh, surtout la stam qui est dure. Hein. Ah oui, la stam elle est dure, hein, mais... Et on est bientôt tout en bas, on va repartir. C'est bientôt fini. Ok, allez, vas-y, let's go. Je suis un guerrier, je prends des dégâts. Je fais des loups en pleine tempête. Bah c'est pas ça, c'est surtout que moi je vois rien, j'ai pas le détecteur d'animaux donc. Ah oui. Pas envie de tomber nez à nez avec un ours et me faire croquer. Faut. Ah mince, je peux pas voir la bonne. Non, calme-toi, papa. Ouais. Je suis un warrior, c'est ça David, je suis un warrior. Ce que j'étais en train de voir. Ah oui, t'es pas du tout au bon endroit, Capo. Faut que je retourne un peu à l'ouest. Faut que tu suives la montagne à ta gauche. C'est ça. Ça y est, ça va se terminer. T'es habitué à me perdre, vous inquiétez pas. Oui. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Il y avait un ours là, il y avait. Oh ouais. Et c'est fini. On va manger un morceau. Hop. Je suis dans le désert, perso. Je suis dans le désert. On longe encore la montagne, nous. Depuis pas trop longtemps, j'espère. Je viens d'y arriver. Depuis trop longtemps, là. DMCA. À quoi correspondent les 13 sur ma barre de vie, XK? Ça correspond aux différents buffs. Il y a la barre de base. Ça, c'est la barre de base. J'ai un buff qui... Enfin, après, j'ai les 3 buffs. Donc, j'ai plus 75. Donc, ils font la même taille. Et pareil pour ma barre de stam, ça me fait des buffs en plus. Et on voit pas des traits sur la barre de stam. Ouh, par contre, il est 18h. Je crois qu'on va faire le désert de nuit.
Est-ce que c'est grave? Je non. Mmh. Il fait moins chaud la nuit, hein, dans le désert. Ouais, mais on a des... On est équipé maintenant. Alors mon point rouge, je l'ai mis sur le conteneur, comme ça on peut déposer quasiment tout, on garde juste... Enfin, je garde juste sur moi un truc. On peut déposer la bouffe. Je peux garder... Qu'est-ce qui est le plus lourd entre époxy... Époxy 02... La poudre 0,5... Et c'était quoi le dernier? Fertilisant... 20 kilos, ok. Donc je vais garder l'époxy, clairement. Ah, l'époxy, ça pèse que dalle. Ouais, le fertilisant, 20 kilos. Waouh! Ouais. Bah, comme la bouffe, hein, ça paraît pas, mais les steaks, ça pèse lourd. Mais l'engrais, waouh! Je m'attendais pas à autant. Ça va, Capo, tu rattrapes? Bon, je pense, je sais pas. Toi qui cours vite. Je vois plus de points rouges. Ah si, il est là. Tu vois la fumée, Krios? Ouais. Où suis-je? Je suis là. Ah ouais, non, vous avez plus de l'avance. Hein. Bah, forcément, toi, tu t'es perdu. Ah, c'est pas qu'on a pris de l'avance, c'est qu'on s'est pas gouré de chemin. Ouais, c'est oui, c'est dur. Notamment. Et en plus, nous, on s'est arrêté dans un caillou hein, pour faire descendre. Moi, je m'étais pas arrêté, mais je me suis arrêté après coup pour. C'est parce qu'on est en live, parce que quand on était dans le caillou, je t'aurais sorti la fameuse phrase d'hier. Tu vois, on était casque contre casque. La fameuse phrase d'hier, laquelle? Je l'enverrai. Faut la regarder jusqu'au bout, elle est mortelle. Il faut pas la regarder, il faut lire le titre, il faut regarder la vidéo, mais il faut pas la regarder en live. Sûrement, surtout pas. D'accord. Donc. Ah, que vous avez discuté après coup ou avant coup, c'est ça? Après. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est pas un truc dont je me souviens plus. Non. C'était après le live. Ok, donc j'ai dit je garde l'époxy, je pose la poudre et le fertilisant. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!